L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. It is it ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 du matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait où? On fait où? Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Salutations à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, au révérend Père Friki Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frenzy Petitomme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information pied poudré. Sur le plan local, jour qui était 19 mai 2022, c'était fête Saint-Yves et Radio Télé Petite Maman Marie était allée dans Saint-Yves qui Delma 5. Fête Saint-Rita dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Fête et consécration de la paroisse Marie Auxiliatrice de Sœurs. Messe du 6e dimanche de Pâques de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Marché fête des mères de la paroisse universitaire du 26 au 28 mai 2022. Concert marial dans la paroisse universitaire le dimanche 29 mai à l'occasion de la fête des mères. Rencontre Famille Petite Maman Marie dans Ohio le mois de juin du 17 au 19 juin 2022. 23e sortie de Cosé à Penouyo est faite avec Révérend Père Frankel Fénélus qui s'est curé par Saint-Joseph qui n'antigouave. Sur le plan international, le Saint-Père est revenu sur la foi vécue dans les épreuves au cours de l'audience du mercredi 18 mai 2022 à l'exemple de Job qui crie sa protestation face au mal jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Le temps du silence et de l'attente dans les épreuves peut être une bénédiction, explique le pape François. S'étant de l'encyclique Laudato Si, une semaine dédiée, le dicaster pour le service du développement humain intégral promeut la semaine Laudato Si du 22 au 29 mai 2022 pour célébrer le 7e anniversaire de l'encyclique du pape François. Elle se concentrera sur les 7 objectifs poursuivis par la plateforme d'initiative Laudato Si pour protéger la maison commune. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information pied poudré. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin d'information ça. Sur le plan national, dans Delma 5, dans la paroisse Saint-Martin à Saint-Yves, après Ben Neuvaine qui était faite en l'honneur de Saint-Yves, sorti 10 pour arriver 18 mai, jour qui était 19 mai, jour fête là, belle messe s'est organisée dans l'occasion ça. Et Radio Télé Petite Maman Marie est allée participer dans la messe ça. En suivant ça, on extrait la messe là.
ça, Jésus dit baptisant lui, papa, si bon mouton, parce que papa connaît content dans le royaume là. Vendant ça nous posséder, fais la charité. Fais beau ça qui pas tirer à richesse, qui pas finir dans le ciel là. Côté volet pas capable de brocher. Côté poudre bois pas capable de détruire. C'est que côté trésor nous y est, c'est là tout que nous y est. En nous faisant louange et compliment aux paroles, bon Dieu, et on a continué à chanter à chorale. De joie. Alléluia, alléluia. C'est un cri de louange. C'est un cri d'action de grâce au Seigneur. En ce jour où nous sommes réunis pour célébrer Saint Yves, copatron de notre paroisse aux côtés de Saint Martin. Nous nous joignons à tous les dévots de Saint-Yves, à toutes les paroisses qui célèbrent Saint-Yves aujourd'hui. Nous nous joignons aux avocats, aux juristes, aux hommes de loi et à tous ceux qui vénèrent Saint-Yves pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné ce saint patron, ce défenseur des droits de l'homme, ce défenseur des pauvres, des opprimés, ce juge intègre, cet avocat des faibles, des malheureux, des petits, ce prêtre compatissant, bon et généreux. Frère Maxemio, n'a pas célébré cette année ça encore. Dans un contexte difficile, côté situation pays nous, vini plus mal, condition la vie monde dans pays, vini détériorer plus, droit monde pas respecté du tout. N'a célébré cet Yves dans un moment côté gagnant plus le monde qui peur. Oui, à raison, il y a plus de bagaille qui effraie nous dans le pays. Ça. Il y a plus de bagaille qui fait nous peur. Nous peur pour sécurité nous, pour sécurité frère, accès nous. Nous peur sortir. Nous peur aller à l'école, aller travailler. Nous peur marcher. Nous peur vaquer à activité nous. Gémoun. Même là, yo la caillou, yo peur à cause de l'insécurité qui a fait ravage dans en pile zone, dans en pile coin, dans en pile côté dans le pays. Il y a pile monde qui stressé, il y a pile monde qui traumatisé, il y a pile monde qui t'a aimé venir aujourd'hui dans le pied Saint-Yves. Mais yo peur vini. Solennité Saint Rita de Cassia est faite dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, jour qui était lundi 23 mai 2022. En pile monde est venu participer dans la messe. La messe est présidée par Révérend Père Frendi Petit-Homme, Petite-Mère Marie, et co-célébrée par Révérend Père Jean-Robert. La messe est animée par Darlene Nacha Gabriel Pierre, Lovely Joseph, et Clomishka Pierre Toussaint sous direction Maestro Timo. En suivant ensemble, un extrait la messe. Là. Nous chanterons pour toi, Seigneur.
Entière te rend grâce. Seigneur, tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Père Jean-Robert, Frère Axemio, bonjour. Bonjour, mon père. Matin, me fait une petite intrusion. La caille, Père Jean-Robert, parce que lundi, l'église, c'est l'église, Père Jean-Robert lié. C'est les professeurs qui ont un bon enseignement sur des sujets variés. Moi, je fais intrusion ça parce que Saint Rita invité également. Non, gros fête ça. Je dis à nous connaître 23 mai. Normalement, fête Sainte Rita à travers le monde, les fêter 22 mai. Mais comme hier, c'est 6e dimanche de Pâques, fête Pâques là, gagne priorité sur toute l'autre fête. Et c'est peut-être ça, c'est lundi 23, nous fêter et nous fêter fête Sainte Rita. Les bien bon, parce que chaque lundi, nous gagnons une dévotion spéciale à Sainte Rita. Chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 4. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber et vous exclura de la synagogue. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alléluia, vive l'Évangile. Alléluia. Maxime, bonjour. M'a dit seulement bonne fête de Sainte Rita à moun qui connaît qui gagne un problème qui était désespéré que Sainte Rita capable résoudre li pou aujourd'hui. Si vous connaît que Sainte Rita pas résoudre ça pour pas répondre bonjour non. Frère Maxime, bonjour.
Frère Maxime, une bonne fête. Est-ce que nous pouvons être capable de faire qui choye pour nous aujourd'hui? Parce que c'est sainte des causes désespérées. Qui moun Rita ça? Tout le temps, nous non sainte Rita, chaque lundi, nous immaculés, non sainte Rita, sainte Rita, sainte Rita. Qui est Rita ça même? Et qui ça, Rita ça fait déjà? Et qui ça, Rita ça capable de continuer à faire? Merci d'être toujours là pour information. Jour qui est 24 mai, c'était belle fête dans la paroisse Marie Auxiliatrice qui nous sort. Côté après Ben Leven, fidèle avec pèlerin qui sortit tout partout, te vin remercier grand maître là par l'entremise Marie Auxiliatrice en suivant ensemble extrait la messe là. Que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Très mieux, ce mieux. Nous rassembler dans un cœur content pour nous célébrer l'Eucharistie. En cette fête de Marie Auxiliatrice. Dans l'occasion ça, nous avons béni la nouvelle église de la paroisse de Sartre. Nous avons dit bon Dieu merci et nous avons participé avec tout cœur nous dans la liturgie ça pour nous accueillir dans la foi, parole bon Dieu. Cher Monseigneur Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, cher Père du Carmel Édouard, curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Sartre, cher doyen Jules Mus, chers confrères, frères et sœurs dans la vie consacrée, chers enseignants, chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, l'Église se réjouit de l'événement de ce jour. La fête de Marie Auxiliatrice que nous invoquons sur le titre « Secours des chrétiens », un titre que Saint Jean Bosco a contribué à diffuser. L'Église de l'archidiocèse se réjouit de pouvoir procéder à la dédicace de l'église de Sartre, construction réalisée en moins de 3 ans. En rendant grâce au Seigneur pour sa sollicitude,
Nous applaudissons le dynamisme du curé de la paroisse, Père du Carmel Édouard, de même que la générosité et le dévouement des fidèles de la paroisse. Sur mon fils et frère du Carmel, sur les paroissiens et paroissiennes, sur tous les donateurs et tous les ouvriers, j'implore la bénédiction du Seigneur. Frémio, semio, bon Dieu nous en grand, bon Dieu nous en remébaille. Dans un moment difficile, ça y est, dans la crise qui a tout pisé nous depuis quelque temps, lui permettre travail ça réalisé. La messe sixième dimanche dans la paroisse universitaire est présidée par Révérend Père Frendi Petit Homme Petit Maman Marie et animée par Darlene Nacha Gabriel Pierre et Lovely Joseph sous direction Maestro Timbo. On suit ensemble un extrait la messe là. Saint Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 29. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Yeah.
ne soyez pas bouleversés et effrayés. Jean chapitre 14, verset 27. Bon, c'est que c'est une phrase nous avons écrit dans toute la rue. C'est même ça. Si je me battre rasé depuis 5 ans. Si je me battre rasé depuis 5 ans, je vais faire un petit banderole. Mettre dans toute la rue. Hein. Pour nous dire tout le monde, pas quitter en rien, fait nous peur. Pas quitter en rien, fait nous trembler. 90% nouvelles, les Haïtiens attendent dans la radio Kounila. Ces nouvelles monde coupé tête monde, ces nouvelles telle zone pour l'envahir, ces nouvelles bandits pour telle zone. D'ailleurs, nous connaissons Haïti, c'est un rare pays, parce que moi je prends plaisir dans écouter information tout côté, dans toute radio, à Gouba et l'autre bord, attendez. C'est un rare pays côté nous prend plaisir populariser moun ka fè mal. Année sans encore, Fanny Petit Marie ak paroisse universitaire a organisé marché fête des mères sorti 26 pour arriver 28 mai 2022 pour le capable soulager en pile famille pendant que la permettre acheter avec un petit crascope tout ça au besoin pour faire belle manger jouki ap 29 mai 2022. En suivant ensemble, yon spot qui préparé pour ça. Depuis ce fête maman, c'est belle fête. Et c'est plus bel moment pour préparer bel manger pour tout le monde manger ensemble. Dans l'occasion fête maman Yohannessa, sorti 26 pour arriver 28 mai 2022, Fanny Petit Maman Marie mettait ensemble avec paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour organiser 3 jours marché. Hey, 3 jours marché, oui! Rêtez! Côté, toute maman capable de débarquer pour venir acheter tout ce qu'elle a besoin pour préparer un bel dîner. Avec un petit crasse monnaie dans le poche, vin beauté, dure, maïs, pois, farine, sucre, blé, l'huile et la trier. Depuis le marché, on a commencé par cadeau pour arriver juste dans la messe là pour lui dire merci. Et je conseille même, on a si maïs et cadeau à quel côté, dans quel moment. Oui, mais ne maman ou petite, puis écoute, prends des vents. Après, nous finissons fête tout le mois de mai à faire louange mariale, moment de prière chaque matin à chaque soir. Adoration, c'est ça comment? Paroisse universitaire a invité chaque fidèle pour venir continuer à dire mon Dieu merci dans un bel concert qu'a fait jusqu'à 29 mai. Quel que soit côté où vous êtes capable de vivre bel concert ça avec la voix de Klobichka, Pierre Toussaint, Lovely Joseph et les deux Gaël. Dans le concert ça, a bien un pile cadeau. Et c'est une plus belle cadeau vous êtes capable de bailler maman si vous venez participer avec dans bel concert ça. Non souci pour Père Frenzy Petit Homme Petit Maman Marie, toujours été collé à toute Petit Maman Marie qui est à l'étranger. Sorti dans Miramar, passé dans New York, arrivé dans Spring Valley, c'est coupé par mon Ohio, sorti 17 pour arriver 19 jours. Et vient Père Frenzy Petit Homme Petit Maman Marie, appela en personne pour la prière et expliquer qui sa famille Petit Maman Marie a. Pour plus d'informations, vous capable reler madame Irène Bruno qui est responsable groupe Petit Maman Marie dans Ohio, dans numéro ça 419 509 47 43. 419 509 1948 419 225 8808. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné talent pour information qui concerne l'église là sous plan international. Merci d'être toujours là pour information qui concerne l'église là sous plan international. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, alors que nous poursuivons notre réflexion sur la vieillesse, nous rencontrons la figure de Job. Ce témoin de la foi n'accepte pas la caricature de Dieu vengeur que ses amis. Plein de piétisme, hypocrite et présomptueux, lui présent Dieu les condamne pour cela. Venu le consoler, ils en finissent même par le juger responsable de son malheur. Job crie à Dieu sa protestation face au mal. Mais derrière le silence de Dieu se manifeste le mystère de sa tendresse. Il relèvera à lui de manière inattendue en lui montrant sa gloire. Dieu nous donne le droit de protester contre l'injustice et le mal. Job refuse la rationalité du mal et que Dieu soit un persécuteur. Son désir incessant de la justice suprême sera comblé avec le Seigneur. Encore aujourd'hui, comme Job, nous voyons les personnes, des familles, des peuples souffrir des maux injustes. Nous sommes impressionnés par leurs cris et émerveillés par la constance de leur foi et de leur amour. Les personnes âgées, affligées de maux, portent en elles fragilité et perte progressive.
Par leurs prières et leurs souffrances unies au Christ, elles sont un témoignage crédible et un rempart de la communauté dans sa lutte contre le mal. Bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Le passage biblique que nous avons entendu conclut le livre de Job, une sommité de la littérature universelle. Nous rencontrons Job dans notre parcours de catéchèse sur la vieillesse. Nous le rencontrons comme un témoin de la foi qui n'accepte pas une caricature de Dieu, mais qui crie sa protestation face au mal jusqu'à ce que Dieu réponde et révèle son visage. Et Dieu finit par répondre, comme toujours, de manière surprenante. Il montre à Job sa gloire, mais sans l'écraser, bien au contraire, avec une tendresse souveraine. La semaine Laudato Si est de retour. Avec des événements en résonance mondiale, régionale et locaux, chacun lié à un objectif particulier de l'encyclique Laudato Si et aux sept domaines de la plateforme des initiatives Laudato Si. Ils tourneront tous autour des concepts d'écologie intégrale. Des centaines de milliers de catholiques sont appelés à intensifier les efforts de la plateforme d'initiative. Il s'agit de nouveaux outils destinés aux institutions, aux communautés et aux familles pour mettre pleinement en œuvre le document du pape François. N'a pour un petit pause, n'a tourné talé. Paroisse universitaire avec une petite maman Maggie. Toujours prendre temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde, ça y est, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à Révérend Père Lévêque Germain qui t'a fêté 23 ans de sacerdoce jusqu'à 23 mai 2022. Bonne fête également à Révérend Père Didier Horace qui a fêté jusqu'à 24 mai. Bonne fête à Révérend Père Jules Campion qui a bien pour le fêter jusqu'à 27 mai. Et bonne fête également à Révérend Père Joseph Émile qui a bien pour le fêter jusqu'à 28 mai. C'est pour bénédiction grand maître là, toujours sous nous et sous famille nous. Qui j'en projet faire une petite main Mario avancé. Projet en pile, nous pas qu'à camper dans route et nous pas camper. Et nous profiter et remercier tout le monde qui a contribué pour le projet Sayo. Paroisse Saint-Michel Lefort, qui est dans une zone Tigouave, qui vient comme Kireli, revient Père Wilbert Donville, travaille à continuer. Et Fanny Petite Maman Marie a organisé pour gagner l'école dans la zone. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour le projet ça. Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Marie Armand, qui vient comme Kireli, revient Père Original Joachim, travaille à continuer. Presbytère Lang est fini et Fanny Petite Maman Marie tout meublé Kaisa. Merci à tout le monde qui a aidé et qui a continué à aider pour le projet ça. Merci à tout le monde qui dépend plaisir sur bulletin information Pierre Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonné à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information Pierre Poudré. Restez branché sur Radio Télé Petite Maman Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie portez la caillou Pierre Poudré. Pierre Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Et ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 dans matin et puis 7h dans soir. Avec Pierre Poudré, on fait route là.